La mobilisation est de taille pour cette première descente du ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et de l'Emploi à l'Académie de Faxa. Le ministre Mohamed Nassour Abdallah est venu clôturer la formation des arbitres d'élite au cours de la FIFA. Un cours qui a été animé par deux experts de la FIFA. L'âge en question était divisé des activités physiques qui donnaient aux arbitres tous les moyens nécessaires pour pouvoir se maintenir dans le but d'avoir une performance continuelle lors des différents matchs. Pour le président de la Fédération tchadienne de football association, la présence du ministre est un signal fort pour la relance du football tchadien. Monsieur le ministre, depuis votre nomination à la tête du département, des actes significatifs allant dans le sens de booster notre football ont été posés. Je voudrais aller pour preuve la participation de notre équipe U17 au tournoi de la qualification de CAN 2019 à Malabo. Et aujourd'hui, votre présence parmi nous à la cérémonie de clôture. Très ému, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et de l'Emploi a salué l'importance de ce cours FIFA destiné aux arbitres d'élite. L'arbitrage devient de nos jours de plus en plus complexe et contraignant. Cela se justifie par les attentes du public qui dépassent parfois les capacités naturelles et maximales de ceux qui sont en charge de diriger les matchs. Ce noble métier est devenu de nos jours très sensible et sous le feu de tous les projecteurs. Les cours FIFA interviennent au lendemain de la Coupe du Monde 2018. Il s'agit de faire connaître aux arbitres nationaux les différentes modifications des nouvelles lois de football.